Jurassic World, qui est pour moi un des meilleurs openings, si saga, comme vous voulez. Ah, pour moi, c'est un des meilleurs films de la saga Jurassic. Voilà, ça c'est dit au moins. Avant de commencer cette critique, je voulais vous préciser que je suis désolée de ne pas avoir fait des vidéos depuis longtemps, l'inspiration n'était pas venue, puis voilà. Mais là, ça y est. Et je voulais aussi vous préciser que bientôt une chaîne, bientôt sur ma chaîne gaming, vous allez voir une vidéo. Et aussi que voilà, j'ai changé de format. Il y a eu le format où on m'entendait pas, on voyait que des images. Le format où on me voyait, on m'entendait, je montrais des choses. Et voilà, ce format, on ne me voit pas et je vous montre des choses. Voilà, donc déjà on peut voir le magnifique logo de Jurassic World. Alors, ici on peut apercevoir le T-Rex. Hop, Jurassic World. Alors, normalement c'est censé être le... Alerte, attention, alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Un Dominus Rex, mais moi je trouve ça plus que c'est le T-Rex. Voilà. Le petit Jurassic World est en bas de la petite broussaille. Voilà. On va passer maintenant à tout ce qui est donc tous les dinosaures du film. L'ankylosaure, l'apatosaure, le baryonyx, le dimorphodon, le edmontosaure, le galinus, le metriacontosaurus, le microceratus, le mosasaure, le pachycéphalosaurus, le parasophosaurus, le pteranodon, le stégosaure, le suchomimus, Triceratops, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor. Voilà. Donc, je vais vous dire le résumé. Deux enfants vont quitter leur mère pour aller à Jurassic World de visiter, retrouver leur tante là-bas qui est chef des opérations. Et ils vont avoir un dinosaure génétiquement modifié qui s'appelle l'Indominus Rex, qui a des gènes de grenouille, de raptor, de T-Rex, et je crois que c'est tout, de tortue aussi, je crois. Et voilà. Et de caméléon. Et donc en fait on peut dire qu'il était très puissant et que voilà, c'était un peu compliqué de l'avoir. Voilà, donc on va voir maintenant les acteurs. Chris Pratt dans le rôle de Owen Grady, Bryce Dallas Howard dans le rôle de Claire Greening, Nick Robinson, T. Sipkins, Vincent D'Onofrio, Irfan Khan, j'ai du mal à prononcer. Donc c'est le chef du Jurassic World, enfin c'est le président du Jurassic World. Billy Wong, c'était le mec qui faisait les tests, qui a créé l'Indominus quoi. Omar Sy, Julie Guerre, Kathy McGrath, Ron Capus, Brian T, Henry Buckley, James DeMond, Quentin Clark, Marlon Richardson et Timothy Dalton. Voilà. On va passer à la jaquette. Alors, d'abord celle-là. Hop, là, voilà. Jurassic World. Donc là, on voit les quatre raptors. Blue Delta, Sharky, Victor. Ou Victor, Sharky, je sais plus. Avec le mec qui dirige la bande. Et là, réalisé par Colin Trevorrow. Jurassic World se déroule 20 ans après les événements de Jurassic Park et voit le rêve de John Hammond se réaliser. Un parc à thème où les visiteurs pourraient s'émerveiller. Ils vont des dinosaures en chair et en os. Aujourd'hui, Jurassic World accueille des dizaines de milliers de personnes, mais une présence inquiète se cache derrière l'attraction du parc Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, féroce et imprévisible. Quand il parvient à s'échapper, il disparaît dans les profondeurs de la jungle et le chaos éclate sur l'île. Owen, donc Chris Pratt, qui est joué un gardien de la galaxie, dresseur de Velociraptor, et Claire, Bryce Dallas Howard, joué dans Spider-Man 3, directrice de l'opération du parc, essaye de restaurer l'ordre alors que la visite du parc se transforme pour tous en une vraie lutte de survie. Voilà. Français anglais 5.1, donc pour ceux qui ne l'avaient toujours pas compris, qualité du son, sous-titre français anglais 5.1, 2.0. On peut le voir, une dure 1h59, et il est en couleur. Voilà. Et je vais tout de suite vous montrer une scène qui est pour moi peut-être la scène culte, enfin il y en a eu deux. Peut-être la scène culte. Attention.
Voilà, donc ça c'est la scène culte de Jurassic Park, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, et moi je vous dis déjà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire, à laisser un commentaire en même temps. Faites ce que vous voulez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Peace.